T'as déjà fait du cheval? Non. T'as pu faire des cartes? Eh oui, j'ai pas trop poussé en fait. Ah ouais? Mais ouais, carrément, c'est tout âge. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a vu qu'on dirait. Faire du kart? Oui. Oui, j'ai envie. Et de la voiture téléguidée. Une voiture téléguidée? Ouais, je sais pas. Ça va peut-être un peu prendre la voiture téléguidée, mais je... Bref, on va se lever de l'immigration. Je mets quelques réserves quand même. De quoi? Je mets quelques réserves quand même. De développer une passion. Mais c'est marrant, c'est notre patron de notre patron qui avait offert à sa soeur de 40 ans des Lego, quoi. Ouais, des Kaplas, ou parce que c'est. Tout ce que je sais, c'est. Ouais, bah, que... Ça fait un peu du coup. Oui, c'est ça, ouais. Je suis pas sûr qu'on peut pas te filmer des gaufres. Le temps de rentrer, de les monter dans la table, de me placer, de penser à un truc qui joue. C'est toujours là, mais ils sont dans le garage? Non, non, maintenant ils sont dans mon appart. Mais je suis rentré, je me suis garé, j'ai mangé, et après, à 14h, j'ai pris la voiture, j'ai trouvé une place devant chez moi. Et après, j'ai trouvé. Et puis après, Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, jour pour jour, presque heure pour heure, Nice se libérait grâce au sacrifice ultime de 35 de ses fils résistants, tombés ce 28 août 1944 au champ d'honneur pour notre liberté. La cérémonie à laquelle vous allez assister leur rend hommage et célèbre la libération de Nice, la paix, enfin au fait. Elle sera présidée par M. Christian Esposito, maire de Nice,
président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, par monsieur Philippe Lousse, représentant monsieur Hugoutou, préfet des Alpes-Maritimes, et par le lieutenant-colonel Gisela Marget, délégué militaire départemental adjoint des Alpes-Maritimes. Les troupes présentes devant aux ordres du 4e gendarmerie Patrick Lange entraînent de la gauche vers la droite. La musique de la garde municipale de la ville de Nice. Le rassemblement de gendarmerie des Alpes-Maritimes envers qui préside la cérémonie. Un détachement du mouvement de gendarmerie des Alpes-Maritimes. Un détachement du 93e régiment d'artillerie de Vasse, Allière et Nice. Un détachement de la préparation militaire d'arrivée de Nice. Le drapeau et sa garde de la direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes. Le drapeau et sa garde de la direction régionale de la police. Le drapeau et sa garde du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Le drapeau et sa garde de la police municipale sur la gauche. Le drapeau. Et sa garde de la réserve communale de la sécurité civile de autorité militaire qui préside, passera les troupes en revue. À l'issue, M. Christian Esposé, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, évoquera les faits qui ont marqué cette journée historique. Puis, les autorités procéderont au dépôt des gerbes, suivi de l'hommage en or. Les hymnes américains, anglais et français viendront clôturer la nuit de silence en hommage aux morts des armes des alliés. Sera également interprété le chant des partisans, symbole de la France. En mémoire des 35 enfants de Nice tombés le 28 août 1944, 35 colonnes blanches, symbole de paix et de renaissance, seront lâchées devant nous. Clôturer cet hommage, les honneurs seront rendus au drapeau de la gendarmerie. Puis, la chorale des Lois de Nice, accompagnée par la musique de la garde municipale de Nice, donneront une balle. Mesdames, Messieurs, avant de débuter la cérémonie, nous allons observer une minute de silence en hommage à l'adjudant Éric Pommier, mort pour la France. Afin de garantir toute sa solennité, nous vous demandons de bien vouloir couper les sonneries de nos téléphones portables et de réserver vos applaudissements pour son tour. Thank you.